Gabriel et Jérémy, vous aviez l'air un peu déçu après la prestation de Voltigeur de Mire dans l'Amérique. Qu'en est-il aujourd'hui? Bah déçu, non, bah forcément on attendait être dans les 5 premiers, voilà, ça n'a pas été le cas, mais le cheval il démérite pas quand même. Parce qu'il s'améliore le chrono sur la distance. En plus j'ai pas eu le meilleur des parcours, le wagon 2 était pas bon du tout, j'ai dû virer au large dans le dernier virage, voilà. C'est comme ça, c'est les courses. Maintenant le cheval il est très bien, il a repris de la fraîcheur. 2100 c'est en plein dans son sport. En espérant d'avoir un bon numéro d'air à les ailes, normalement il va être dans les 3 premiers. Oui, après un bon parcours dans le Belgique et un bon parcours dans l'Amérique, là cette fois-ci il va être ouvert et fin prêt. Oui, exactement, ouais. Le cheval il va être à 100%. Il était soigné pile poil pour cette course-là. Donc si le numéro est bon, il peut refaire la même perf que dans les Balières. Bon, il y a Bold Eagle, Timoko entre autres avant le coup. Oui, bien sûr, mais bon, une course ça reste une course. Certes, pour l'instant, ces deux chevaux-là sont au-dessus. Mais le mien, faut pas oublier que 2100, c'est un très bon cheval. Et puis, le chrono dans le Balière, il était 10, moins de 10,5. Donc, s'il repète cette valeur-là, je pense qu'il peut être au moins 2-3.